Bonjour, cette courte vidéo est un complément d'information de la vidéo sur la sécurisation et l'automatisation de la circulation des trains que je vous invite à regarder avant tout si vous ne l'avez pas encore déjà vue. En effet, dans la vidéo intitulée « Bloc système et sécurité du réseau », j'avais omis de parler d'un point très important, la zone d'arrêt infranchissable. Sur mon réseau, l'arrêt des trains devant un feu rouge est géré par le système ABC de l'ENS qui permet un arrêt très réaliste sur une distance toujours identique et sans électronique ni informatique supplémentaire. Je vous renvoie pour plus d'informations à la vidéo sur l'ABC. Néanmoins, il y a quatre situations qui peuvent amener un train à griller le feu rouge. Le train roule en mode manœuvre avec la touche F3 qui est restée enclenchée, ou en mode direct avec la touche F4 qui désactive les temporisations de démarrage et d'arrêt. Et dans ces deux situations, l'ordre d'arrêt donné par l'activation du module BM1 est ignoré. Troisième possibilité, l'ordre d'arrêt parvient alors que la machine est déjà engagée sur le canton, et dans ce cas, comme la distance d'arrêt est constante, la loco ne s'arrêtera que bien après le feu rouge. Et si celui-ci protégeait un aiguillage, elle peut le franchir avant de s'être arrêtée et venir prendre en écharpe un train prioritaire qui arrivait lui aussi sur l'aiguillage. Elle peut donc sortir du canton sans s'être arrêtée complètement. Et enfin, quatrième situation, la loco peut aussi tout simplement être équipée d'un décodeur qui ne gère pas l'ABC. Dans tous ces cas, il faut donc une sécurité supplémentaire pour obliger le train à s'arrêter à coup sûr. On va donc mettre en place une zone de sécurité située juste après le feu rouge et où le courant sera tout simplement coupé. La longueur de cette zone dépend de ce qui roule sur votre réseau. Il faudra prendre en compte l'inertie mécanique de certaines machines, la distance pouvant être parcourue grâce au power pack si vous en utilisez, ou encore les autorails qui ont une prise de courant à la fois sur la motrice et sur la remorque. En ce qui concerne les rames où la motrice peut être en queue, comme les TGV ou RTG, ou toute autre rame articulée, le système n'est pas adapté, car l'ordre d'arrêt ne parviendra à la motrice que quand toute la rame sera déjà passée. A noter que sur les RTG-EPM, par exemple, la prise de courant est basculée sur la motrice qui est en tête automatiquement par un petit relais, et dans ce cas ça va fonctionner. Sur les décodeurs SU, on peut régler la distance d'arrêt différemment en marche avant et en marche arrière, ce qui permet à une rame réversible de s'arrêter devant le feu, que la motrice soit en tête ou en queue, mais la zone de sécurité avec coupure du courant sera inefficace quand la motrice est en queue. De même, les unités multiples avec une motrice en tête qui est en traction et une autre en queue qui est en pouce ne peuvent pas rouler avec ce système, car en arrivant sur un canton au rouge, la motrice de tête va freiner, alors que celle de queue qui est encore sur un canton au vert continuera à pousser, avec les conséquences qu'on imagine. On va reprendre les schémas de la vidéo sur la sécurité du réseau, que je vous invite à voir ou à revoir si les choses ne sont pas claires. La mise en œuvre est très simple, et on va réaliser une coupure supplémentaire juste derrière le feu rouge, qui va délimiter une nouvelle zone entre le feu et la fin du canton. L'alimentation de cette zone va passer par les contacts repos d'un relais, dont l'alimentation est prise sur le feu rouge. Il est donc en position de repos non alimenté quand le feu est au vert, et la zone d'arrêt est reliée au reste du canton, située avant le feu. Le relais passe en position travail quand le feu est au rouge, ce qui coupe l'alimentation de la zone d'arrêt. Donc un train qui grille le feu rouge sera arrêté par la coupure du courant. La zone est réalimentée quand le feu repasse au vert et le train redémarre normalement. Donc sur notre réseau qui est composé de 4 cantons, la carte de détection numéro 1 alimente le canton numéro 1 à travers un BM1 qui met le canton à l'arrêt s'il n'est pas chinté, et la carte numéro 2 alimente le canton numéro 2 de la même manière. Le BM1 du canton numéro 1 est chinté ou non par le relais de la carte numéro 2, et donc s'il n'y a rien sur le canton numéro 2, le BM1 du canton précédent est chinté et donc inactif, et le feu est au vert. Et le relais Arduino n'est pas alimenté et reste en position repos, ce qui met le courant sur la zone de sécurité. Un train venant du canton numéro 1 peut entrer sur le canton numéro 2. Mais s'il y a quelque chose sur le canton numéro 2, le relais de la carte numéro 2 passe en position travail et le BM1 du canton numéro 1 n'est plus chinté et devient actif. Le feu passe au rouge et de ce fait le relais Arduino passe aussi en position travail, ce qui coupe l'alimentation sur la zone de sécurité.
Un train venant du canton numéro 1 ne pourra pas entrer sur le canton numéro 2, même s'il grille le feu rouge. D'un point de vue pratique, j'utilise ces petits relais Arduino qui coûtent moins d'un euro et qui sont montés sur un petit circuit qui comporte une LED témoin et surtout une diode roue libre, ce qui permet de les brancher directement sur la LED du feu rouge. Il faudra les prendre de la même tension que celle qui alimente les LED du feu. Chez moi, toute l'électronique et la signalisation est en 5 volts, et ce sont donc des relais 5 volts. Mais on trouve aussi des 12 volts identiques. Le branchement du relais Arduino se fait avec une prise 3 broches qu'on peut confectionner à partir de ces connecteurs pour circuits imprimés. La broche VCC alimente le relais, et en utilisation avec un Arduino, la broche signal reçoit un niveau logique haut, c'est-à-dire un plus VCC, 5 volts, pour activer le relais. Ici, on va relier les deux broches, VCC et signal, au plus 5 volts pris sur le feeder de la signalisation, et la masse sera reliée au fil moins de la LED rouge du feu. Ainsi, quand la LED du feu sera allumée, le relais sera collé. De l'autre côté, on trouve les contacts communs, repos et travail. Et on viendra brancher la zone d'arrêt entre le contact commun et le contact repos pour qu'elle soit alimentée quand le relais est au repos et coupée quand il passe en mode travail. Voilà, c'est très simple et ça rajoute une bonne sécurité au système. Et on va voir maintenant ce que ça donne en vidéo. Alors ici, on a l'autorail rouge qui redescend et qui va emprunter une boucle de retournement, ce qui va le conduire à croiser la route de l'EAD blanc qui vient de quitter la gare. L'EAD est prioritaire, et le feu de la boucle juste avant le pont passe au rouge, et l'autorail rouge va devoir s'arrêter. Il ne repartira que lorsque le canton situé après l'aiguillage de sortie de la boucle sera complètement libéré. Les plus perspicaces remarqueront que l'autorail qui est arrêté va amorcer un léger redémarrage alors que le feu est toujours au rouge. Cela se produit lorsque le réglage de la sensibilité de l'ABC est insuffisante. Ici, c'est très léger, mais il vaudra mieux revoir ce réglage dans le décodeur de la machine. En bas, on voit aussi une rame Romilly qui vient de quitter la gare, mais elle est ralentie car l'EAD est juste devant. Et pendant ce temps, l'autorail rouge repart, et on va voir la rame Romilly ralentir à nouveau après le virage, car cette fois, c'est l'autorail rouge qui est devant. Ça, c'est le cas général. Maintenant, on va voir la même séquence, mais avec une loco de triage qui est restée en mode manœuvre, et qui va donc ignorer le feu rouge. Elle est arrêtée brutalement sur la zone de sécurité qui n'est plus alimentée. Elle repartira normalement lorsque le canton après l'aiguillage sera libéré. La sécurité est donc totale. Lorsqu'il n'y a rien sur le canton après l'aiguillage, le feu reste au vert, et l'EAD passe sans s'arrêter, et vous aurez remarqué que le feu ne passe pas immédiatement au rouge. Ce n'est pas un bug, mais simplement parce que l'EAD doit être complètement sorti de la zone de sécurité, sinon il sera bloqué. On aura donc un décalage du passage des feux au rouge, mais ce n'est pas vraiment gênant en regard de la sécurité apportée. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera à peaufiner la sécurité sur votre réseau. À bientôt !